Et si l'on s'envolait à l'autre bout du monde, à la rencontre des créations immémoriales de Claire Roger, cette artiste contemporaine qui nous fait voyager dans son univers extraordinaire, avec ses pièces uniques d'un raffinement inouï. Ici, les frontières se brouillent, la faïence se fait dentelle, la couleur se fait torsade, les œuvres s'orchestrent dans une valse d'une grâce infinie. La galerie Cyril Guarnieri, au cœur de Saint-Germain-des-Prés à Paris, se transforme le temps d'une exposition en un incroyable cabinet des merveilles. L'œuvre de cette céramiste virtuose nous transporte vers une destination inconnue, au parfum d'ailleurs, à la fois mythique, sacré et légendaire. Avant cela, qui d'entre nous aurait su dater ces œuvres sublimes et autres faïences aux mille nuances, tant celles-ci portent en elles la trace d'un héritage du passé et de civilisations lointaines. L'artiste française puise ici dans sa maîtrise incroyable de la technique des terres mêlées, en tissant avec patience et minutie cette terre qu'elle colore dans la masse, qu'elle découpe en fines lamelles avant de réagencer le tout dans un ensemble inédit. Des heures durant, Claire Roger élabore un travail de stratification, de croisement, de superposition des matières, tout en travaillant la couleur, les motifs, les volumes, jusqu'à ce que l'évidence soit là. La céramique tressée, drapée, torsadée se révèle alors dans une sculpture somptueuse, ornée d'une infinité de détails subtils et mystérieux, comme autant de notes d'une seule et même partition. Par son écriture artistique unique au monde, portée par un rituel de création d'une précision calligraphique, Claire Roger nous offre des chefs-d'œuvre éminemment poétiques, réconciliant les cultures d'ici et d'ailleurs, d'hier et d'aujourd'hui, nous rappelant combien il est important de continuer à rêver.